plutôt échapper. Voilà, leur truc est bien vivre tout petit, disons. Il y a peut-être la route de tous les mois, si ils ont pas envie de venir là. Mais le mec, il brûle sa voiture, mais il va travailler comment en fait. Ben, la voiture, elle a 10 ans, mais l'assurance, mais bien sûr, ça crée des problèmes, mais qui perd son boulot, ça c'est là, et puis voilà quoi. Et là, les gens là, les filles, bah, on fait des. Et les gens se baladent, on a fait derrière, on les aide pas non plus. À l'estation fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est tout cuiron. Bonne journée à tous. Ouais, bonjour. Merci Dindy 33, Diego 31, Molévec. Ok Diego, ça fait un petit moment que je t'avais pas entendu. Comment vas-tu? Eh ben ça va, je viens de me réveiller. Là, je fais chauffer le camion et je suis à 200 mètres de Molévec. Là, je vais les livrer. Après, je fais la petite tournée habituelle à Canezin et Pelletraine et je rentre peut-être le week-end, peut-être, pas encore, je sais pas, voilà, donc ça va. Levé sur le bon pied, assis. Ah, je suis trois coups. Mais moi, toi, maintenant, je vais bosser là sur Mérignac. J'ai l'impression que ça va durer un bon moment. Puisque j'ai plus aucune seule vacation de nuit, ceci, cela. Apparemment, ouais, je risquerais bien d'y rester quelques années là, du côté de Mérignac. Ah, c'est parce que. Ah, je t'entends plus. Bonne journée, les 73-51 à toi, bonne route si tu m'entends encore, je suis en bas du pont d'Aquitaine. Et bonne journée. Ah Diego, je t'ai vaguement deviné dans le lointain, mais là ça passe plus de mon côté. Les 73-51 à toi, bonne journée. Ok, ouais, je t'ai compris un peu sur la fin. T'as sympa le Roger Bip. Eh ben, bonne journée et bon week-end pour la prochaine fois. Je suis trois coups. Putain, c'est en forme ce matin, vous.
Attention Vega pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention Vega pour Dundee 33 qui t'appelle. Oh, j'entends du monde, mais c'est très QRP là. Ok, attends deux secondes. Ok, Lucky 33, les 73-51 à toi, Dundee 33, là sur, sur Mérignac. Pas très loin de l'aéroport, dans ces environs-là, bien coincé dans les bouchons. On dirait que c'est la merde sur la rocade, j'ai l'impression. Ah, t'es direction Langon, les 73 Gilles. Ok, d'accord. Ah bah oui, tu m'étonnes. Non, je vais pas faire le con. Ouais, bah oui, je suis assez loin, oui, effectivement. Je suis sur Mérignac, pas très loin de l'aéroport par là-bas. Ah oui, mais je ne serais pas fait RM, alors ça encore, ça va. Ah ouais. C'est vrai que je suis étonné, avant de venir sur le 19, je suis allé faire un petit tour là en sup, et rien. Du coup, ce qu'on commençait à prendre pour la propague d'été, peut-être pas trop en fin de compte. Ouais, peut-être s'est ravisé un peu sur le coup, car même hier que j'étais en repos, j'ai rien eu du tout du côté propague, ou quasiment rien. Oui, je vais me rapprocher, c'est sûr. Ouais. Ouais, la belette, il est là. Comment vas-tu, la belette? Putain la vache, là je suis sur Mérignac, pas très loin de l'aéroport, là par là-bas, dans les environs. Et la vache, je suis saturé de QRM, j'ai du mal à te sortir. Par contre, j'ai le temps de voir le paysage. Là, il y a des beaux côtés, c'est la merde de ce côté-là, en gros. C'est à croire que tout le monde est à la plage, là, ils sont tous arrêtés, là, en train de bronzer au soleil. Ah, c'est pas tout à l'heure, il y a eu un carton, il a mis le portefeuille en haut avec un champion de roulant, ça a foutu la merde dans les vues d'après les lycées pour ça. Là, on va pour info, je suis en barrette, Rémi, c'est pour ça. Ok. Eh oui, je suis content, ça marche bien, ma petite antenne, finalement. Hein. Il marche bien. Oui, ah bah oui, tu m'étonnes. Oui, mais bon, je te connais, hein. Je sais qu'il n'y a pas que la petite antenne et le poste. Non, mais tu dis que tu es un jeune homme de bonne famille, raisonnable, hein, et raisonné. Oui, voilà, c'est ça. Autrement dit, il y a le bar avec, qui est branché entre. Si oui, qu'après tu aurais des choses, tu viens de toucher le petit de bière fraîche à rentrer à la maison, moi j'ai rien contre. Au travail, non, mais à la maison, oui. Je pensais plus à du whisky qu'il pouvait y avoir entre le poste et l'antenne. Non, après je reste raisonnable, non. Bon, la façon, c'est que le monsieur, il est un peu plus que le baron, c'est pas pour rien. Ah ben, ça, tu veux faire solliciter les collègues, tu m'appelles comme ça, c'est pas pour rien. Des fois, je préfère pas leur parler. Ah, tu m'étonnes, c'est plus pratique pour leur répondre.
sais pas si vous pouvez vous trouver ma fille, mon collègue, que ça vous fait, il est encore en train de me critiquer le voile de fil, alors que je suis un être tout à fait adorable. Ben, j'ai pas mal de bruit là, de mon côté, et c'est pas évident, hein, toi, parce que bon, t'as ce qu'il faut derrière pour pousser, mais non, je l'entends pas du tout, hein, je sais que c'est pas très calme de mon côté, là, sur la fréquence. Il y a du QRM, il y a de tout, il y a de la merdouille, il y a... Ouais, bon, on va faire du tri là-dedans, parce que là, ça va plus, là. Ouais, c'est ça, mais t'entends, tu laisses le faire, tu dis rien, tu laisses le faire partir comme ça, tout à vélo, et après ça marche pas bien, forcément. Ah oui, t'as, c'est une idée, ça. Ouais, mais c'est déjà, si tu veux faire de la bidouille, le mieux pour voir si le matériel, hein. Les targas, ben, ça filme, ça marche plus, hein. Mais c'est que au niveau signal, je suis en train de regarder, là je viens de regarder, au niveau signal, le QRM est pas fort, mais par contre avec qu'est-ce qu'il est présent dans le haut-parleur. Ok, attends que je regarde ça. Ah si, pourtant, là, j'ai juste ce qu'il faut, là, pourtant, là. Ça devrait passer mieux que ça. Ouais, Rémi, Dundee, pour OGF, 14 km, 56-01. 56-01, les 73-51 de 33-01. J'étais en train de chercher, moi, en plus, ouais. Et les bons chiffres, les kilomètres, les bons chiffres. Ah oui, parce que bon, là, il y a moi, il y a Gilles, il y a, je ne sais plus, un mille pattes qui est en direction de Langon aussi, qui est kilomètre. Ah, il en manque quelques-uns quand même, là, sur le 19. Oui, il manque Daniel, là, normalement, là, qui. Non, à moins qu'il ait déjà débauché, je ne sais pas. Ok, voilà, ça y est, ça repart un petit peu. Là, je suis sur la route, c'est déjà pas mal, j'ai progressé. Je commence à devenir un peu plus intelligent, j'arrive à faire la différence entre les routes goudronnées et les autres. Je suis dans la montée là, vers les feux, là, c'est quoi ça, c'est la sortie 10, ouais, de mémoire. Ouais. Cette surmodulation, ça est en train de partir en cacophonie. Hein. Attends, voilà, je suis en train de regarder un truc. J'ai une YL derrière, devant, pardon, sur une moto. C'est quoi? C'est une Triumph qu'elle a. Ah, j'aimerais bien l'avoir de plus près. Je parle de la moto, bien entendu. Et autre, malgré le QRM qu'il y a là, au niveau des feux, là, ici, au secours, j'ai compris la connerie. Quoi. Si, je regarde ça. Ah la vache, là par contre je crois que j'ai au moins 5 de QRM là ici là au feu. Waouh. Ah quand même, ça y est, ça repart. C'est bon. Ah, je vais pouvoir me dégager d'ici. Alors, ça donne quoi? J'arrive sur le pont là qui enjambe la rocade. Donc on dit quoi? On dit que... Waouh. On dit que j'ai du temps devant moi. La vache, oui. C'est bouché. Non, mais je veux pas faire comme hier, comme avant-hier, je veux dire. Putain, avant-hier, j'ai bien mis 1h45, 1h30, 1h45 pour entrer au QRA hier. Avant-hier, pardon. Et là, je sens bien que c'est parti, et que c'est bien parti pour. Oh merde! Je crois que je vais me retaper encore le Mérignac Centre.
Et puis me faufiler par là jusqu'à Jean Villard ou un peu plus loin. Salut la station, j'ai un peu de QRM de mon côté, peut-être j'aurais pas de radoté, ouais, je commence à me faire vieux, ouais, à force de dire ça. Ouais. J'ai pas forcément bien reconnu avec le bruit que j'ai derrière. Bon bah là pour le coup j'entends plus personne. Ah, on a dû parler en même temps. Bon mais bon René, je te fais des gros bisous, ce soir je suis à la forêt, mais je t'entends bien la présence et puis les choses un petit peu de rotation derrière. Ok, mais toi je vais faire comme avant-hier, je vais attraper Mérignac Centre, essayer d'attraper soit Jean Villard, soit le Tasta, la direction du lac, parce que là, c'est pas possible. Ils sont tous arrêtés sur la rocade, ils ont tous planté la tente sur la rocade, il n'y a plus un qui veut bouger. Donc si je veux espérer rentrer ce soir à la maison, j'ai intérêt à refaire comme le dernier coup. La bonne soirée à toi. Ok, ça marche, ouais, je suis en pleine ville. Eh bien, demain, ben, ça sera la même chose pour moi demain. J'espère sans les bouchons. C'est sa popote derrière. Ah, El Comandante. Donc la pompe a grossi de quel côté aller. Voilà ce que j'entends des gazouillers sur le 19. C'était tout simplement la pompe qui était en train de monter. Je vais finir pour connaître la route par cœur. Ouais. Allez, 17h55, là c'est bien parti là. Fire.
zut. Attention, Vega pour Dundee 33. Oui, je suis là. Ok, bon, ben, je suis toujours... alors là, j'ai rattrapé la clinique Jean Villard depuis Mérignac Centre. Et bon, là, ça roule à quoi? À 4 kilos, là, sur la rocade. J'ai bien compris, t'es dans les bouchons. Putain, mais comment il est intelligent, le mec. J'ai fait des études, hein. Ah oui, alors là, chapeau bas. Là, tu me bats, là. J'ai même échoué un examen d'urine, alors, pour te dire. Ah oui, ah non, moi, je ne suis pas allé jusque-là. Ouais. C'est 0,5 de moyenne. Hé, 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 hé. Ah ouais, voilà, ça accélère un peu, mais bon, ça accélère pour voir tout le monde freiner. Hein. Bon, ben tant pis, hein, de toute façon, là, je suis baisé comme avant-hier. Hein. Ah ben là, oui, ouais, ouais, ouais. Ah oui, parce que, regarde, là, il est 18h. Normalement, je suis pas loin de chez moi. Allez. Il est 18h, en gros il devrait me rester quoi, peut-être 10-15 km à tout casser avant d'arriver au QRA. Là je suis encore à 50, non je suis plus que ça. Oui bon je suis à environ, allez on va dire 55 bornes de QRA à vue de nez. Bon, c'est rare quand même quand c'est comme ça, il y a un accident, c'est comme ça. Alors, ouais au fait il y a la propague qui est là, hein. Là, je suis monté là au premier étage, là, voir un petit peu ce que ça donne. Il y a l'Italie, l'Espagne, avec El Comandante. Il y a tous ces coins-là là, qui passent. Et là, on entend gazouiller derrière. Enfin, c'est rare. Je vois, avant-hier, ben, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est encore comme ça. Faut qu'ils me le disent, là, la boîte, là, si je dois prendre un hélicoptère pour aller bosser. Quoi. Mais quoique, il y a de l'idée là, à travailler, là. Je te connais un moyen de transport que tu connais, mais à mon avis, ils vont pas vouloir. Un moyen de transport que je connais, ils vont pas vouloir. Bon, c'est pas l'hélicoptère. Un Bigfoot, et je passe par-dessus tout le monde. Je vois ce que tu veux dire par rapport à là où je vais. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. J'ai même pas le temps de faire chauffer le moteur que je serai déjà rendu. Ouais, mais il va falloir que tu sautes en marche parce que il passe très vite. Ah oui, et puis la marche risque d'être un peu haute en même temps. Hein. Mais bon, c'est pas tu m'étonnes. Putain, ça me fait chier de voir comment ça rame. J'habiterai à côté encore, comme autrefois, là, sur Bordeaux-Lac. Bon, là, encore, je m'en foutrais, mais putain, mais c'est que j'ai encore des bornes à faire après. Hein. Je sais pas, même avec cette paroi, ça dégage, mais tant qu'elle sera pas finie, ça sera comme ça. Ouais, ah, il y a des pimpons qui arrivent derrière moi. Ouais, j'ai entendu quelqu'un, attention, je sais pas qui, les 73-51 à la station de la part de Dundee 33 bloqué dans les bouchons sur la rocade de Bordeaux. Et tout à l'heure, là, j'ai eu un kilomètre qui t'a envoyé le bonjour, mais apparemment, t'as pas entendu et j'avais l'impression qu'il était sous ma fenêtre. Eh bien, tu vois, durant tout à l'heure, là, quand j'ai commencé à... Le dernier coup, là, que j'ai eu la belette,
Voilà, je commençais à rentrer dans Mérignac. Et là, là c'est mort. Hein. C'est au niveau QRM, alors là, c'est la totale, t'entends plus rien. Hein. C'est pour ça que tu m'as pas entendu reprendre le micro à part juste là maintenant. Hein. Parce que je n'entendais plus rien si ce n'est que du QRM. Oui, c'est ce que je me suis dit. Il va attendre parce que c'est un peu de souffle. Eh oui, j'aurais pris le micro pour le coup, ça aurait induit en erreur parce que de toute façon, j'aurais entendu personne en retour. Tu m'étonnes, t'as ça gazouille, ça gazouille, ça gazouille derrière. Et en plus, c'est même pas soleil, on peut pas voir les jolies jupes. Tiens, je crois que, je sais pas si c'est les Portugais ou l'Espagne qui passent derrière, là, sur le 19. Et vu l'accent, ça a l'air d'être de ce côté-là. J'en ai vu quelques-unes aujourd'hui. Mais c'était plus du côté un peu défraîchi de ce côté-là. Quoi. Les autres plus mûres, non pas plus mûres, c'est l'inverse, c'est plus verte. Hachi, garde encore les pantalons. Oh, tu parles de ça. Jusqu'à bon toute la matinée, bon. Avec l'hôtesse qu'il y avait, bon, ça, au niveau température, ça allait. C'était correct, c'était raisonnable. Putain, puis cet après-midi avec le collègue, putain la vache, on avait chaud. Il y a eu une relève d'hôtesse qui a été faite. Le collègue regarde le thermostat. Oh non de Dieu, il était monté à 25. Oh la vache, tu m'étonnes qu'on pouvait avoir chaud. Hein. C'est avec la neige. Non, une grande girafe blonde, là, cet après-midi. C'est la ferme aux animaux. Ah, c'est trois coups. Je crois qu'elle est aussi grande que moi, si ce n'est un peu plus. Et en plus de ça, trouve le moyen de foutre des talons. Ouais. Putain, tu dirais des chasses, les bordels. Ah, moi, je préférais la famille, elle était gentille. Ce matin, c'était Adeline. Ah oui, elle est gentille aussi. Ah bah tu m'étonnes. La petite blonde, vraie blonde, hein, elle me l'a confirmé. C'est vrai qu'elle est sympa, elle. Oui, sans deux ou trois, je crois. Ou sans quatre, c'est le monsieur. Je m'en fous, moi, du monsieur. Ouais. Ah, c'est vrai que Adeline, là, il y a un petit canon, là, quand même. Hein. C'est clair. Je la connaissais déjà, là, sur un autre site. C'est, je me souviens une fois, comme ça, c'était... Elle avait un souci avec quelqu'un, je m'étais un peu interposé, quoi. Ça avait vite calmé l'ambiance. Mais c'était le site où on avait bossé déjà ensemble, c'était un site où principalement il n'y avait que des gros cons. Juste un petit peu. C'est un site où j'étais avant sur les boulevards, pas loin des bassins à flots, bon je dirais pas de nom. Hein. Parfois, oui, effectivement. Bon, en tout cas, ouais, là maintenant on se fait chier parce que je me dis là en ce moment que côté boulot, les meilleurs, il est derrière moi. Hein. Putain la vache. Moi qui préfère bosser en solo, bosser la nuit. Je me retrouve à bosser en équipe, bosser en journée et en plus un endroit dont je suis pas du tout dans, dans ce genre d'état d'esprit. C'est difficile de dire quelque chose hein, quand on veut pas trop en dire. Enfin bon, de toute façon, tu sais d'où je sors, donc je sais que de toute façon, toi, pour ta part, tu as compris. Hein.
y aura d'autres opportunités. Et puis tu peux faire la demande aussi. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Oui, je sais bien. Mais c'est compliqué là aujourd'hui avec toutes les conneries là, avec le Covid et compagnie. Il y a eu du ménage là, dans les contrats. Hein. C'est plus ce que c'était. Quoi. Par contre, là, je vais avoir un extra à cheval sur mai-juin. Bon, là, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir y aller. Quoi. Donc, là, oui, ça m'intéresse. Là, c'est en nuit. Donc, là, il n'y a pas de souci, ça m'intéresse. Ouais, en fait, il faudrait que ça soit sur la rive droite, ça serait bien. Et non, ce sera du côté des quais. Ouais. Là, pendant une ou deux semaines, je sais plus, quelque chose comme ça. Ouais, deux semaines, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. De ce côté-là, quoi, en nuit. Bon, évidemment, j'espère qu'au niveau voiture, ça sera pratique, que je pourrai me garer à côté. Sinon, effectivement, ça va être la galère. Ah ben, si c'est un chantier, oui. Pour l'instant, j'ai pas trop d'infos et puis je peux pas trop en dire non plus. Hein. Ah oui, sans doute. Eh oui, voilà. Et allons-y, roulez, petit bolide, ça avance ou ça avance pas? Alors, j'essaie d'atteindre les 1 kg. Ah ben, raté, parce qu'on s'arrête à nouveau. Ah, les doigts à l'époque du confinement, où on avait la route pour nous tout seul. Putain, oui, et non, mais attends, et l'autre devant qui vient d'ouvrir ce toit ouvrant, quoi. Non, mais je rêve. Je le vois entrouvert, là, sur le doigt. Non, mais il pleut, quoi. Oh, bah d'accord. Lui, il va finir par transformer sa baignoire en baignoire. Non, mais il a confondu les essuie-glaces avec la capote. C'est un truc qui... ouais, je le vois, il est entrouvert, hein, le bordel. Ah ouais, c'est bien ça, hein. Ça fait une espèce de barre horizontale qui ne fait pas toute la largeur du toit. Donc ouais, c'est bien ça, il est bien entrouvert le bordel. Il a peut-être chaud. Oh, vu la bagnole que c'est, il doit avoir la clim. Hein. Ou alors j'ai rien compris. C'est dit, j'ai levé la tête en passant, ça s'en fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a l'Indien derrière là, que j'entends là? Oh oui, ça c'est de. Ça doit être de l'espagnol ça. Oh oui. Allô, au fait Gilles, tu m'entends bien là j'imagine. Oui, c'est du 85. Ouais, là tu m'entends bien là chez toi là. Pour le coup j'ai remis l'Alpha Lima dans le push. Là du coup j'ai craqué hier. C'est toi avant-hier je t'entendais encore très bien. Toi tu étais en train de me perdre, mais sinon là ça va pas là. Il faut rééquilibrer la balance. Oui, je te dis, t'entendais tout à l'heure la première fois où t'as modulé. Non, j'ai commencé à lancer des appels un peu avant ça, j'étais qu'avec le poste, pas plus. Et j'ai bien vu que ça passait pas. Donc je l'ai vite allumé, et là, ok, ça, là de suite, tu m'as entendu. Ah, mais moi, j'étais pas entendu, hein, j'ai entendu. Ah, ouais. Je suis pas encore atteint le pont d'Aquitaine, hein. J'ai même pas encore atteint la j'aperçois la sortie devant moi, la sortie 4 Bordeaux Centre. Même cette sortie là, je l'ai pas encore atteint. Là j'ai des QRM, là c'est compliqué. Ah, je sais ce qu'il me faudrait. C'est dans quelle bande dessinée où c'est comment ça s'appelle, les fous du volant, je sais plus comment, hein, la bande dessinée.
où t'as la voiture qui se lève, les roues qui s'écartent, et ils doublent tout le monde comme ça en passant au-dessus. Hein. Ah putain, je me souviens plus de la connerie. Hein. Ah là, j'ai pas capté. Ouais, non, mais c'est... toi, t'es trop vieux pour connaître ça. Mais... comment ça s'appelle déjà non, c'est pas les fous du volant. C'est... Oh, je me souviens plus, là, c'est cette bande dessinée hein, où ils font la course et t'as les véhicules qui sont un petit peu bizarres, puis d'un seul coup, paf, ils vont survoler les autres véhicules pour aller encore plus vite, et ainsi de suite. Oh merde, oh bah tant pis, ça ne reviendra pas. Les fous du volant avec Satanas, Diabolo, Pénélope. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est les fous du volant. Oui, c'est ça. Voilà, bah c'est une de leurs bagnoles là qu'il me faudrait là. Il y a mieux, c'est pas un peu de retour vers le futur, puis j'ai. Ah bah oui, là on joue plus dans la même cour. Ouais, 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 effectivement, ouais. Bah tiens, dans une précédente vidéo, je n'avais piqué un morceau là pour mettre en début là, parce qu'à chaque fois en début de vidéo là, je mets environ 4 secondes d'un extrait de quelque chose. Et oui, dans une précédente vidéo, je m'étais amusé à mettre ça justement. Là, le retour vers le futur, là, justement, un extrait, la vite fait comme ça. Là. C'est marrant parce que la DeLorean, il y a une espèce de exemplaire, mais on en voit souvent en revanche. C'est bizarre. Il y a quoi? J'ai pas compris. Je parle de la DeLorean, mais il y en a une. Oh la vache, j'ai un QRM qui est en train de balayer la bande. Au secours. Vous étiez en train de dire que la DeLorean, elle était faite en plusieurs là, en peu, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, mais on en voit le mal, pas mal à vendre de ces deux. Ouais. Mais attends, je me souviens plus si des fois. Je crois que sur un salon, j'en ai vu une. Bon, c'est une reproduction, hein, ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Mais ouais, c'est ça, oui. C'était au parc des expositions, oui, je crois que c'est ça. Quand c'était l'année des USA. Oui, c'est ça, oui. Bon, il y avait une voiture de police américaine avec une Paris-Dakar de fixée sur l'aile arrière, oui, c'est ça. Et il y avait une DeLorean aussi, oui. Oui, c'est bien ça, oui. D'ailleurs, je crois que c'est la marque GMC qui mes souvenirs sont bons. Oui, tes souvenirs sont bons, oui, je crois que... Oui, c'est, je crois que c'est bien ça, oui. Ah ouais? Oui, ça est parti à la dévastation de ce voiture ancien, de l'autre côté. Je n'ai rien à voir. Ok. Tiens, je suis au niveau de... au niveau d'Auchanlac. Voilà, je viens d'apercevoir là à ma droite. Hein. Là, je suis rondé à ce niveau-là. Hein. Ah ben putain, vu l'heure, c'est pas gagné, quoi. Attends, là, je suis complètement noyé dans les QRM. Ils sont pas contents du français parce que j'arrive trop fort, machin, truc. D'ailleurs, j'ai pas vu pour les français, mais au secours, hein. Tiens, j'ai des voitures de rallye là qui sont à côté de moi. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Dubourg-goto.fr. Ouais, la pub. D'accord. Eh bien, je sais pas, ils vont comme ça, mais bon, ils sont bien partis en tout cas. Mais bien partis à pas avancer parce que. Putain merde. Et avoir des voitures de rallye, c'est sur un camion hein, que je vois ça. Hein. Avoir des voitures de rallye, se retrouver coincé dans les bouchons, ça la fout mal. Attends, qu'est-ce que je suis en train... Je suis en train d'apercevoir un panneau. Ouais, bah lui devant, il l'a vu aussi. Ah putain, la voie de droite est fermée. Ah bah alors là, c'est le pont d'Aquitaine aussi. Maintenant, j'ai compris, quoi. C'est le pont d'Aquitaine aussi, hein, il y a une couillonnade. Ouais, c'est
ça glousse. En plus, là-dessus. Alors, tout le monde essaie de passer à gauche, évidemment. Mais bon, vu que ça fait le forcing, pour le coup, ça avance encore moins. Ah, là, moi, je suis sur la voie centrale. Voilà, comme ça, je mets tout le monde d'accord. Je suis de... Ben, vas-y, avance. Allez, voilà. Là, je suis pour aucun parti. Je prends la voie centrale. Deux roues, si j'ai bien compris, tu me dis que j'aurais dû prendre la moto. Attends, t'as vu le temps qu'il fait, hein, de la merde. Et en plus de ça, les remontées de fil sont de toute façon interdites. Hein. Donc c'est bon. Mais bon, les mecs, je les vois faire quand même. Je leur laisse. Je leur laisse parce que c'est des coups à se prendre un PV, ça, quand même. Parce que c'est truffé de caméras, en plus, par ici. Hein. Ouais. Alors le panneau, véhicule en panne, ralentir, ralentissez, comme si on n'avait pas deviné quoi. Il y a un Indien qui est en train d'aboyer là derrière. Non mais attends, j'hallucine. Il marque, il y a un panneau qui indique à tout le monde que la voie de droite est fermée, qu'il faut obliquer sur les voies de gauche et tous les feux sont ouverts. Cherchez l'erreur. Mais l'arrivée en haut du pont est difficile. Hein. J'en suis pas loin, mais bon, voilà, je m'accroche. J'ai lancé un lasso là, sur la voiture de devant, comme ça me permet de garder le moteur coupé et faire des économies. Ah, je vois qu'on a avancé. Ouais. Là, j'étais juste avant ça, j'étais en plein avec URM, c'est pour ça que je ne reprenais pas le micro hein, pour le coup. Voilà, j'arrive à la première pile. Ah ben, c'est une blague. Ça arrive plus fort que tout à l'heure, ça a dû monter en altitude. Ah ben oui, je suis au sommet du pont d'Aquitaine. Voilà, je suis entre les deux piles. Allez, vas-y, fonce. Ouais. Ben putain, j'aimerais bien. Tiens, je vais en profiter. Les 73-51, les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est la merde. Putain, là, quand j'ai relâché, j'ai vu qu'il y en a un qui m'a moustaché. Putain, il a dû s'en prendre plein les oreilles. Putain, tu viens de faire exploser mon haut-parleur. Ah, au moins, là, je sais que ça fonctionne. J'ai toujours pas atteint l'autre bout du pont. Hein. Ah non, c'est au secours. Hein. Ouais, c'est plutôt rare ça. Hein. Eh putain, je sais où on peut faire une expédition des X. Là, quand on est coincé en plein dans les bouchons, là, depuis ici, là, tu t'arrêtes là. Tu montes une antenne de fixe sur un support, sur l'accroche remorque. J'en ai un. J'ai un porte-vélo à la maison sur lequel je me suis bidouillé un tube qui vient s'enclaver dessus. Et ce qui fait que je peux avoir l'antenne, la président Himalaya que j'ai là de côté, je peux la monter comme ça à 6 mètres au-dessus du push. Et donc là, ah mais oui, là il y a une idée à creuser là. Oui mais quand ça roule en vente, comment tu fais?
Ah ben, il n'y a rien qui est fixé au sol, c'est accroché derrière le véhicule. Ça va faire un peu de tamponnante quand même, hein. Ah oui, surtout au niveau des... Après, quand tu passes, voilà, je l'ai passé. Surtout après, quand tu passes les portiques, les ponts. Là, c'est sûr que ça va faire la même chose. Ah, d'accord, donc c'est aussitôt après le pont, là, dans le virage, avant la sortie d'Ormont, que ça merdoit, là, sur la voie de droite. Voilà, il y a la dépanneuse qui vient d'arriver, tu vois que les mecs ils vont pas le laisser passer. Soit ils se jettent devant, soit voilà, et bien il s'est jeté devant, donc c'est bon. Et il est passé tout seul. Bon voilà, ce coup-ci c'est reparti, c'est bon, ça roule. Ça roule, ça roule. Ouais, ben, j'espère que pour attraper la rocade, ça soit tout cuir aussi. Ben, ça a l'air d'être bien parti. Bien parti dans quel sens? Je sais pas encore. Ouais, ça penche des gabailles quoi. Ah, j'ai que quoi? Des gabailles. Les gadailles. Hey, je suis pas du sud-ouest, moi. J'ai pas compris, là. Oui, la campagne. Ah, d'accord. Ah, mais je suis pas de la région, hein. C'est bon, en plus. Eh oui, je connais deux nordistes dans le groupe. Attends, j'ai pas compris. Hein. Je vais monter un peu le volume parce que, au secours. Je dis, on a deux nordistes dans le groupe. Alors, comment dire? Non, moi, c'est plus le centre. Le nord du centre. Autrement dit, Tours. L'Indre-et-Loire. La Touraine, quoi. Ça y est, j'ai la liste que je voulais. On est 12. Ok. Je vais aller le chercher là où tu m'as dit. D'accord. Ouais, bah oui, voilà, ouais, sur le forum. Voilà, c'est ça. Non, mais je voulais avoir la liste de ceux qui sont de chez nous là pour savoir où ils sont et avoir leur prénom. Ouais, c'est mieux. Ouais. Et puis bon, c'est vrai, c'est pareil. Hein. Alors là, le souvenir des prénoms des uns des autres, déjà que je me croisais pinceau là sur les indicatifs. Alors si en plus les prénoms, bon Daniel, il y a lui, il n'y a pas de souci. Je le connais depuis 1988. Oh putain, bordel, là ça fait un bout. Depuis ce moment-là, je connais lui, Daniel. Donc là, ça va. Et après, bon, c'est vrai que j'ai tendance à mélanger un peu les crayons. Bah, jusqu'à 0,9, jusqu'à 0,10, jusqu'à 10, ça va. Après, je ne sais plus. Bah oui, je comprends bien. Il faudrait plus de doigts sur les mains pour pouvoir arriver à compter plus loin. Eh, mais il y a les orteils aussi qu'on peut utiliser pour compter plus loin. Quand il était chez ses parents, alors t'imagines. Ah oui, ah ben oui, ben moi c'est pareil. Il était encore chez ses parents là, à ce nom, n'importe quoi, c'est leur nom là. Ah zut, des immeubles là qui est en surplomb là. Non, attends. Ah, je suis en train de mélanger les crayons. Leur mont, si c'est leur mont, non, c'est pas les deux tours là qui ont été rasées, c'est je crois c'est le quartier qui est en surplomb là du pont d'Aquitaine, là sur le côté, je crois que c'est un, oui, c'est ça, oui, c'est de ce côté-là. Donc tu cherches ces carriers. Oui, ben voilà, j'avais qu'à demander aussi. Ben oui. J'y ai traîné là-bas, je te le dis. J'étais jeune, mais j'y ai traîné. Ouais, et en bas, t'avais la station Total avec... lui, je me souviens plus de son QRZ, mais elle, c'était Blandine. Ah, tu parles de Charlie Delta, toi.
Voilà, Charlie Delta et Blandine. Eh oui, c'est là où j'ai acheté mon matériel. Ouais, ben moi c'est pareil, hein. C'est là où j'ai acheté mes postes aussi. Hein. Moi j'étais pour le petit commerce, moi j'avais pas rien d'eux. Je me faisais pas du tout au petit commerçant, moi. Oh, ça m'arrivait d'y aller aussi. MGD, voilà, c'était ça. Qu'est-ce que je vais déjà acheter à MGD? J'ai dû acheter une antenne, je crois, mais pas plus. Ouais. Au niveau poste, non, c'était chez Charlie Delta, la station Total. C'était là que je prenais mes postes. Et ouais, MGD, il me semble que j'ai pris une antenne. Il y a aussi la station Esso là sur la rocade de Bordeaux là au niveau du lac qui faisait aussi du matériel CB. Là aussi j'avais acheté un peu de matériel. Tiens, là justement j'avais pris une antenne de fixe. J'avais pris un micro préampli aussi. L'antenne de fixe c'était le président. Je l'ai sur le forum. C'était une noire en fibre de verre avec deux niveaux de radian. Un premier niveau 8 radians et plus 4 petits au-dessus de la self qui servaient en même temps pour régler la bague, la polotos. Ah, et ça marchait pas aussi pour essorer la salade? Ça marchait pour essorer la salade? Ah bah oui. Non mais là en tout cas je me souviens d'avoir pris quelques tempêtes avec cette antenne. Oh la vache, elle s'est courbée à l'horizontale, hein, mais sans casser. Et une fois j'ai même pu faire un peu là, comme un point d'interrogation. Oh je me suis dit là c'est foutu, c'est mort. Mais non, elle a toujours résisté. Mais c'est par contre son défaut c'est qu'elle s'oxydait. Voilà tous les manchons qu'il y avait, tout ça, ça avait tendance à s'oxyder. Et c'est comme ça que je l'ai perdu cette antenne. Ça n'a plus existé ces antennes torsadées noires là, avec le petit bouton dévissé pour régler le TOS. Elles n'existaient que en perçage. Ah oui, toi tu parles de l'antenne mobile, moi je te parlais de l'antenne fixe. Hein. Voilà, qui devait faire, je sais plus, 1m50, quelque chose comme ça. Ouais. Pour celle que tu parles, en torsadée noire, si je crois qu'il y a encore une boutique qui en fait. Il faut que je vérifie, j'ai ça sur le forum. J'ai l'info sur le forum, je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Angleterre, je ne me souviens plus. Je crois que ça se fait encore. Bon, autrement, dans le style stick, torsadé, mais genre stick, un truc comme ça, là tu en trouves. Là par contre, oui, mais elles sont beaucoup plus courtes. Ça doit faire dans les, je ne sais plus, 70, 75 cm, je crois, ou peut-être 1 mètre. Et tu les vois souvent en double antenne sur les camions. Je regarde, je suis en train de te perdre, Mami. Je te souhaite bonne soirée, je te dis à plus tard. Ah putain, c'est que tu dois sacrément avoir des QRM de ton côté. Heureusement que je joue un pouce-pouce derrière. Pourtant, j'en vois méchant quand même derrière. Et effectivement, tu vas être complètement saturé de QRM. Il n'y a pas de problème, les bonnes sont 1351 à toi. Ben pour moi, c'est la même punition demain. Et en espérant qu'il y aura les bouchons au moins. Merci pour ce QSO, bye bye. A plus. Cambio.
73-51 du sud-ouest de France, Tandy 33. Ah, il gueule plus fort, il gueule trop fort. Là, je suis battu, là. Ah. Bon, Espagne-Italie, j'y comprends rien. Je descends plus bas.